Salut, on se retrouve une fois de plus pour du Power Rangers Legacy Wars. Mais cette fois-ci, une vidéo un peu spéciale, et pour tout dire, c'est peut-être même la vidéo que logiquement devrait être en première ligne, hein, mais malheureusement elle arrive vers la 15e, 14e, je sais plus. Enfin bref, c'est la présentation d'une équipe complète de Rangers, parce que on a enfin une équipe complète. Et pas n'importe quelle équipe, hein. L'équipe des Rangers. Ils sont où ces connards? Attendez. Ah, allez, voilà. L'équipe des Rangers 2016. Les Rangers 2016, donc, tirés du film de 2016, hein, je crois que c'était le film. Qui donc qui ont littéralement lancé la. Bah, la sortie du jeu, quoi. Au départ, ce jeu mobile, c'était pour faire la promo du film de 2016, quoi. Et c'est assez marrant qu'au final, ce film aura été un one-shot, hein. On a beaucoup annoncé une suite qui n'est jamais apparue. Et qu'au final, ben, le jeu mobile le tourne bien, l'aura survécu. Et c'est assez amusant, en fait. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, en 2020, à la veille de mes 30 ans, on va enfin pouvoir tester cette équipe complète, parce que j'avais pratiquement toute l'équipe qui était pratiquement dispo en début de jeu. Hein. À l'exception du Ranger bleu, qui était très dur à débloquer, mais ça y est, je l'ai enfin débloqué. Allez, et voilà. Parfait, maintenant on a l'équipe complète de 2016, du coup on va pouvoir en faire une présentation entièrement dédiée dans cette vidéo. Juste le temps de l'améliorer. Voilà. D'ailleurs, allez savoir pourquoi ce personnage de Ranger bleu est en épique comparé aux autres qui sont neutres, des persos normales, quoi. Après, c'est vrai que c'était le perso le plus mis en avant dans le film, mais est-ce que c'était vraiment volontaire? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis en épique comme ça? Je crois que c'est le seul jeu perso du film disponible dans le jeu de combat, la sortie sur console, et enfin bref. Enfin bref, c'est très bizarre qu'il soit en... que seul lui soit en épique. Hein. Oh, en tout cas, pour commencer, Honor Leader, on va commencer avec le Ranger rouge. Allez, donc on va faire une team complète du film de 2016. Y mettant du bleu et du allez où allez là du rose. Ok. Ah voilà. Voilà qui est fait. Elle aussi, je pense qu'elle a besoin d'être améliorée. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec certains persos de 2016. Autant le rouge, il a un gameplay qui me plaît assez, je joue souvent avec. Enfin, c'est une occasion, allons-y. C'est très long là.
Ah, voilà. Ok, bah laissez tomber pour l'originalité. Ça commence mal. Oh, comme vous pouvez le voir, le Ranger rouge et c'est un quarterback, du coup il a. Ok, je vais peut-être pas réussir à en faire une présentation au final. Voilà, il envoie un ballon américain, quoi. Fait en rayon laser. Il a un plaquage de quarterback. Et ce coup de pied tornade qui est de Street Fighter. Technique traditionnelle du football américain, évidemment. Ok, on s'en sort pas trop mal pour l'instant. Voilà. Un autre petit plaquage. Ah, l'enfoiré. Bah, c'est normal. En plus, c'était nul, on affrontait le même quand on va recommencer. Allez, on va peut-être pas faire deux combats par perso parce que bon, va faire une vidéo un peu longue. Ah bah contre Ritard et tout ça, c'est parfait. Oh, j'arrive pas que je me fasse humilier, hein. Non plus. Mais merde! Mais enfin. Ok, je peux toucher le sol si ça vous dérange pas. Voilà. Clairement, notre vie ne tient qu'à un fil. C'est pas passé loin. Et bon, il est triomphant, bien sûr. Hein, la pose du mec qui a marqué un essai, évidemment. Ok, bah on va changer de perso. Parce que le rouge, mine de rien, je l'ai déjà beaucoup utilisé dans mes vidéos. Deuxième personnage de 2016. Où sont-ils? Ah là! On va passer au rose. J'ai l'impression qu'on manque, c'est curieux. Ils sont très éparpillés, c'est chiant. Le rose qui sera accompagné du. Du. Où est-il? Ah là voilà. Voilà, on va faire comme ça, ce sera parfait. Et lui, c'est un nouveau perso qui vient d'intégrer, qui vient de la série SPD, que j'ai pas fini de regarder en ce moment, je suis en train de les regarder parce que je. Simplement parce que j'ai envie de voir cette version-là entière. Voir le Gruger, Anidus, Maxion, tout ça.
Alors le rose, elle a également un... Bon là, je fais défoncer, mais ça va venir dans... J'allais dire, elle a également un très bon gameplay. Elle a, bon, elle a cette espèce de coup de pied. Voilà, qui est plutôt pas mal. Elle a aussi ce coup de pied un peu court. Malheureusement, le perso n'est pas très boosté, alors je peux pas faire grand chose. Voilà cette espèce de tourbillon qui est très pratique. Ouais, on arrive à faire des trucs quand même avec. Attendez, on va lui accorder un deuxième essai quand même, parce que là j'ai pas eu de chance. Ok. Il n'y a pas intérêt d'avoir une connexion perdue parce que là ça va bien. Hein. Merci. Oh. Là, il y a un gameplay qui est très virevoltant, qui est plutôt pas mal. Malheureusement ça rend le genre rose à elle est beaucoup plus boosté. Voilà, je me fais défoncer. On s'en sort à peu près. Non, et non, non, c'est pas du jeu. Oui, malheureusement. Bah, dernier essai. Pour la forme, elle est que niveau 5, on va pas arriver à faire grand chose. Ah, encore la même, mais fichier. Ah, visuellement, c'est pas terrible d'affronter les mêmes gars, quoi. Enfin, les mêmes persos. Voilà, on arrive un peu à s'en tirer. Non, mais j'avais cliqué dessus, va te faire foutre. Va te faire foutre. Ok, bon, je crois qu'on aura la poisse. Non, malheureusement, on n'y arrivera pas. Ah là là, qu'est-ce que ça peut être, casse-couille. Bon, tant pis, je claque 2000 points. En fait, ça, allez. Après tout, c'est pour la bonne cause. Enfin non, c'est juste pour faire une vidéo. Voilà. Les derniers essais avec elle, parce qu'après tout il nous reste quand même 3 rangers à tester.
Ah merde, un craqué. Ouais, là, c'était pas de peau du tout que je pouvais rien faire de. Mais enfin, il va faire une parfaite, et puis voilà quoi. Terre, ça fait par l'honneur. Ouais, d'accord, bah vas-y, fais ça. Voilà. Pourquoi pas. Va te faire foutre. Je recommence encore une fois parce que bon là c'était quand même pas de bol de tomber sur un complètement craqué, sur un malentendu. Bon, on a été coupé pour une raison que j'ignore, ce n'est pas grave. On relance. Voilà, ça c'est moi. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. Déjà, ça commence mal. On se fait enchaîner. Ok, il y a le truc qu'il faut quand il faut. Mais je l'avais fait avant. Enfin, suis. Moi aussi, je peux enchaîner quand je veux. Allez, là, il reste plus qu'un coup. Le truc, ça fallait pas le manquer. Enfin! Enfin! Mais enfin! Ah! D'accord, vous le prenez comme ça. Ok, ben un patrouilleur, ça devrait le faire, non? En plus du film 2016, hein, c'est raccord. Là, par contre, c'est de la merde comme ça. Aïe. Aïe, aïe. Voilà. Ok, c'est bon. D'accord. La moitié de la vie. Ok. Je peux jouer maintenant? Non, je peux pas. D'accord. Ok. Le mec, il a toutes les cartes qu'il faut, quand il faut. Ok, vas-y. Allez. Voilà, voilà, voilà. Parfait. J'ai seulement eu le droit de jouer vers la fin, hein, alors que voulez-vous? Bon, on n'y arrivera à rien avec elle. Voilà, bah, j'aurai tout tenté. Du coup, on va se faire humilier avec un autre ranger, ou alors non, allez, quitte à se faire humilier jusqu'au bout, on va régresser dans le niveau avec ce perso. Parce que bon. Quitte à se faire avoir, autant y aller jusqu'au bout.
Voilà, à peu près, ça c'est bien. Ça aussi c'est vaguement bien. Ok, là c'est la... Se joue à la parade. Mais enfin... Non? Oh, ce qui va être justesse. Eh ben, on aura fini par remporter un combat avec elle. Voilà, et tout ce qu'elle fait quand elle gagne, c'est de se gratter un peu le genou, comme vous pouvez le voir. Enfin, on va pouvoir changer de perso, et là on va en prendre un réellement nul. Même s'il est d'assez bon niveau, hein, vu comme ça. Alors en tout cas, c'est pas pour dire, mais les tenues de 2016 sont un petit peu moches, mais ils ont quand même leur petit côté essayant, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc on va jouer avec la Trini du film 2016, qui était peut-être le perso le plus naze du film de 2016, encore une fois. Et dans le jeu, c'est un personnage également. Alors on va l'accompagner du... Le bleu, il va rester avec eux, hein, parce que c'est une bonne garde. Et on va mettre le ranger noir, voilà, les seconds couteaux. Là, on joue vraiment avec les seconds couteaux des seconds couteaux, quoi. Ok, alors elle est en mode je punch quoi. Et donc elle fout des coups de boule, des coups de poing. Et j'aime pas du tout son gameplay. Hein. Ses coups quoi, la plupart du temps à foire ses coups. Le soutien jaune est éventuellement pas trop mal parce qu'on envoie des vagues de coups de poing qui peuvent servir à quelque chose, mais le Ranger jaune du film 2016, ça fait très longtemps que j'ai pas joué avec. Enfin là, je dis que j'aime pas son gameplay, mais mine de rien, je m'en sors mieux qu'avec le rose alors. Enfin. Ok. Bon, ceci dit, cet angle est pas mal. Bon, là, je propose qu'on ne s'éternise pas avec ce perso. Et qu'on passe directement au Ranger Noir de 2016. Avec la jaune de soutien. Et le bleu qui est là. Le noir de 2016 non plus. En gameplay, j'en suis pas très fan. Vous allez voir ça. Voilà, alors bon, faudrait quand même qu'on puisse voir son gameplay, hein, si ça vous dérange pas. Voilà, vraiment, il fait beaucoup dans le massif, mais il y a un mec qui veut faire du... qui veut boxer comme un poids lourd, quoi, mais qui fait qu'on n'a pas le poids, tout simplement, quoi. Voilà, ils l'ont. Mais aussi, comme le jaune, la plupart de ses coups ratent, ils sont lents.
Les gens les voient venir, c'est... Enfin bref, c'est assez chiant. En tout cas, ils désespèrent beaucoup dans la bataille. Et on a régressé dans ses morts. C'est pas grave. Enfin si, c'est grave, ça me fait un peu chier. Bon, on n'a pas bien vu son gameplay, mine de rien, alors on va retenter un coup. Ok, ben là on s'en sort pas trop mal. Merde! Merde! Ah, là vous voyez, là, vraiment ses coups ont pas beaucoup de portée, tout ça, et moi ça m'emmerde un peu. Voilà. Non, ça fait partie des persos que j'aime pas en réalité, le noir de 2016. Plutôt. Je crois qu'on les appelle communément les Power Rangers de l'ère Xenoïde, enfin le truc bizarre qu'il y avait en début de film. Cette ère des dinosaures chelous avec... je sais même pas si ça se passe sur Terre ou quoi. Non, bref, c'est de la merde. Ah, bordel! Ok, ben là, c'est pas grave. Là, on va faire dans l'inédit. Perso jamais testé. Le Ranger bleu de 2016. Avec en soutien, du coup, on va pas mettre de Ranger bleu. Ça va faire toc visuellement. Il est où? Où est-il? Ah, là, voilà. On va voir un peu ce que ça donne. Après tout, c'est un épique, ça devrait peut-être se passer à peu près bien. Après, le film de 2016, il est pas mal quand même, mais... Il voulait trop faire Darko Realistico, machin de couille, quoi. Merde. Merde, merde, merde. Ok, là, une espèce de fort bouclier de défense comme ça que... Il a aussi une grenade. Il a une vague de coups comme ça, d'accord. Est-ce que c'est un perso que je vais... qui est fait pour moi? Là, du coup, j'en sais rien. Ouais, quand ça se prenait un peu trop au sérieux alors que... Et en fait, t'es pas obligé quoi, tu peux très bien faire un film Power Ranger qui fait des histoires suffisamment sérieuses pour que ça plaît aux adultes en gardant le côté coloré de la... Ouais, coloré, les collants, tout ça, enfin de la série quoi. Le film de 2016, là, c'était en quelque sorte Man of Steel. Hein. C'est pareil pour Man of Steel, tu peux faire un bon film Superman sans que ça doit ressembler à du Nolan, sa merde. Enfin. Ok, le Alpha de 2016, il est en train de... Bon, le perso n'est qu'à niveau 1 hein, aussi, je rappelle. Mais on se fait juste défoncer, merde. Voilà. Attendez, on va quand même en faire un pour l'honneur, parce que dans cette vidéo de présentation, il n'y a qu'un seul perso qui a fait un truc bien.
Non, la rose, elle a aussi gagné un combat, ouais. Enfin, elle en avait perdu 3 avant, alors bon. Ok, il a l'armure du vert, ça veut dire qu'il est craqué. C'est cette grenade là, j'oublie un peu qu'elle. En fait, c'est un perso qu'il faut que j'apprenne, donc là, tout de suite. Bon, je vais faire ça pour la forme, hein, mais là, c'est foutu. Voilà. Allez, j'arrête les conneries. J'y vais de façon un peu plus sérieuse. Faudrait quand même terminer sur une victoire, espère de. Ah bah dis donc, cette grenade a bien été placée. Voilà, la vague de coups a bien été placée. Mais enfin là, j'avais débloqué un rouge, mais c'est pas grave. Brise-garde qui est gardé quand même, c'est cool. Le jeu marche très bien, vous pouvez y aller. Ok, ça fait très mal, ça par exemple. J'étais pas sûr qu'il allait passer. Bon. C'était trop de la merde. On va pas se laisser faire. Non. Ok, c'était prévisible. J'ai un peu merdé sur la fin. Putain, on va régresser de deux niveaux, quoi. Mais enfin, j'ai juste posé la grenade. Calmez-vous, quoi. Stop! Voilà. Ensuite, là, je peux rien faire tout de suite. Alors attendez. Ok, que des coups qui tapent de loin. Ah mais il esquive tout là, attendez. Et ok, et la garde qui passe pas, parce que merde, on m'a dit apparemment. Regardez, lui quand il garde, quand il contre, ça passe direct, nickel. Moi, c'est aléatoire, hein, vous voyez, c'est. Enfin.
Allez, cette fois c'est la gagne. Ce perso là c'est de la merde généralement, allez quoi. D'accord. Est-ce que je peux frapper maintenant? Merci bien. Ok, c'est pas grave. Aussi, là c'est grave. Là ça devient grave quand même. Ok, enchaînement de la mort. Là, c'est... Ok, ça va pas passer. Oh. Voilà. Ensuite. Voilà, pourquoi pas. Ensuite. Merde. Là, ça va être l'enchaînement de la mort. Évidemment. Évidemment. Bon. Alors. Faut juste être un peu concentré et avoir de l'astuce. Voilà, on va se battre contre ce gars-là. Les bleus contre bleus. Bon enchaînement, mais malheureusement... Ok, malheureusement il fait plus mal, il est de niveau beaucoup trop élevé. Hein. Ok, j'avais mis ma garde, mais on va dire que non. Ok, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Allez, un ultime essai. Et si on se fait humilier là, ça sera la vidéo de l'humiliation. On se vengera avec les rangers originels. Ok, c'est le rouge original, clairement ça fout le jeton. Ok, il fait... m'a enlevé un quart de vie. Ok, ça... là il est en feu. Ok, il m'a contré ça. Il était trop loin. C'est bon, la ranger jaune elle a passé. Ma vague de coups à moi aussi. Non, c'est pas la peine, on peut rien faire. Voilà, on va quand même pas régresser de deux niveaux pour ces conneries. Hein. Bon bah c'était une présentation des rangers du film de 2016. Alors comme vous pouvez le voir, le rouge a un très bon gameplay, c'est le meilleur perso. Le rose, s'il était un peu plus boosté, on aurait pu faire des trucs.
Le noir et jaune, ils sont nuls à chier. Et le bleu, bah, s'il était pas niveau 1, je pense qu'on s'en serait mieux sorti en vrai. Enfin, c'est pas grave, la prochaine fois on fera une vidéo de présentation sur les Rangers originels et je pense que ça se passera mieux quand même, quoi.